des pyjamas. Pyjamas, rime des pyjamas. Pyjamas. Yo-Yo et les scintillunes. La passe. Wouhou. Oh non. C'est quoi ça? Vous avez vu ces drôles de balles? D'où est-ce qu'elles viennent? Elles sont hyper cool. Wow. C'est moi le Prums. Elles sont top ces balles. Cool. Cameron. Youhou. Y'a quelqu'un? Quoi? Oh, fais voir. Non, n'y touche pas. Elles ne sont pas normales ces balles, Sacha. Il a raison, regarde l'effet que ça leur fait. C'est horrible. Eh mais vous avez vu? Ils font tous des bruits de vache. Il faut savoir ce qui se passe. Sacha. Hiyo. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Bibou! Ha! Ha! Sacha devient... Yo-Yo! Regardez, on retrouve les mêmes balles aux quatre coins de la ville. Trop cool. Tout ce chabolide. C'était vraiment bizarre ce qui s'est passé à la récré. On aurait dit qu'ils étaient hypnotisés, tous en train de faire U, comme s'ils ne savaient plus qui ils étaient. Heureusement, nous, on est les pyjamasques. Et ça, il n'y a aucun risque qu'on l'oublie, pas vrai? Non, ça c'est sûr. Pyjamas, vive les pyjamas. Pyjamas, vive les pyjamas. Car la nuit, on poursuit. Yo-Yo? Wow! Vous avez vu? Je me demande d'où elles sortent. Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Wow! Je veux en attraper... une. Surtout pas, Yo-Yo. Tu oublies ce qui s'est passé à l'école? Ah, oui, tu as raison. Mais elles me font envie. Elles sont si jolies. Ça alors? Regardez, ça continue. Hein? Oh! En fait, j'ai compris. Ils disent lune. Ces balles hypnotisent tous ceux qui ont le malheur de les toucher. Mais d'où elles viennent? À ton avis? Sorceline. Bonne réponse. Alors, comment vous trouvez mes scintillunes? Qu'est-ce que tu as fait à tous ces gens? Oh, rien de bien méchant. J'ai juste aspiré l'énergie de la lune avec mon aimant pour la mettre dans les scintillunes. Des jolies petites bulles. Avec ça, ils ont la tête dans la lune et se mettent à l'adorer. Et donc à m'adorer moi aussi. Tu leur fais un lavage de cerveau avec l'énergie lunaire? Exact. Et devinez pourquoi? C'est parce que maintenant qu'ils sont hypnotisés, ils sont prêts à m'obéir au doigt et à l'œil. Et grâce à eux, je serai bientôt la reine du monde. Sauf si on t'en empêche. Bon courage pour m'arrêter. Vous n'y arriverez jamais. Oh, mais moi en revanche... Oh! Hein? Il faut qu'on récupère ces balles avant qu'elles ne touchent d'autres personnes. Si toute la ville se fait envoûter par Sorceline, on ne pourra plus rien contre elle. Hé, on n'a qu'à utiliser ces poubelles. Mais oui, bonne idée. Hein? Pas parce qu'il ne faut pas les toucher que je ne peux pas jouer avec les scintillunes. Vous êtes prêts? Service galant! Voilà!
plein dans le mille. Yo-yo, rapido! Waouh! Tu vas trop vite! Je n'arrive plus à suivre! Ralentis! Comment ça? Je vais trop vite? C'est vous qui êtes trop lent! Attention, je suis en avant! Tout seul, ça c'est vraiment dommage pour toi. La partie n'est pas encore terminée. Et pourtant j'ai déjà gagné. Pas de panique les copains, je vais tout arranger. Bon, et maintenant mes fidèles sujets, attrapez-le! Gare à toi, Yo-Yo! C'est à ton tour! C'est à cause de moi que c'est arrivé! Il faut que je répare ça! Que je les aide à se rappeler qui ils sont! Réfléchis, Yo-Yo, réfléchis! Ah, ça y est, je sais. Si je fais semblant d'être hypnotisée, je pourrais m'approcher de Bibou et de Gluglu sans me faire remarquer. Allez, ça vaut le coup de tenter. Oups, je suis allée trop vite. Allez, Yo-Yo, tu peux y arriver. Oh, ils sont lents, mais lents. C'est la belle vie. Ah, enfin! Bienvenue au club, Yo-Yo. Oh, c'est la plus belle nuit de ma vie. Encore quelques scintillunes et tout le monde sera ensorcelé. Psst! Gluglu, Bibou, c'est moi, c'est Yo-Yo. Vous me reconnaissez? Yo-Yo, votre ami. Pitié les copains, réveillez-vous là! Allez! On est les pyjamasques, vous savez bien! Vous vous rappelez la fois où Roméo m'a rétréci? Et la nuit où on a sauvé Noël? Essayez de vous souvenir, on est une équipe! Pyjamasques, vive les pyjamasques! Je vous en supplie, faites un petit effort! Pyjamasques, vive les pyjamasques! Pyjamasque, vive les pyjamasques, car la nuit on poursuit les petits bandits. Oh, j'ai toujours pas de rime en i. Génial, vous êtes revenus. Ouf, je suis désolée d'avoir joué avec les scintillunes sans faire attention à vous. Je me suis laissée emporter. Mais je vous promets, je recommencerai plus jamais. On ne t'en veut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On récupère toutes les balles. Et cette fois, je ne jouerai pas avec. C'est promis. En avant! Attendez, laissez-moi la dernière. Il y a un truc que je voudrais essayer. Ah, les pyjaminis, mes invités d'honneur. Allez, venez un peu par ici. J'ai vu que Sorceline faisait attention à ne pas toucher les balles. Elle ne les bouge qu'avec son aimant. Souhaitez-moi bonne chance. Surprise, Sorceline.
qu'est-ce qu'il y a là-haut? Lune... Elle a été hypnotisée. Bien joué, Yo-Yo. Allez, grimpe. La dernière scintillune et toi, vous partez très très loin d'ici. Mais d'abord, je vais enlever l'énergie lunaire du reste des balles. Yo-Yo, tu as vraiment été génial. Bon voyage, Sorceline. Oh, on ferait mieux de s'en aller avant qu'il se réveille. Maintenant qu'ils sont libérés, ils vont tranquillement retourner se coucher. Et les pyjamasques sont de nouveau réunis. Pyjamasques, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Bibou et le ninja football. Pour le match, tu as vraiment été foutastique. Foot midable. Foot, je sais pas quoi. Merci, mais on a joué collectif, c'est tout. Elle tire, elle marque et elle... Vois tes étoiles collantes. C'est signé Ninjaka, il s'en est pris au magasin de jouets. Alors là, il a vraiment dépassé les bornes. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis pour les règles de la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Ha. Greg devient... Sacha devient... Yo-Yo. Les pyjamas. Les ninjas zouaves en train de jouer au foot avec un ballon collant, on dirait. Waouh, jolie passe. Enfin, à nous de passer à l'action. Tous au chabolide. Un peu de nerf, les ninjas zouaves. Il faut jouer sérieux, là. On n'est pas dans une cour de récréation. Hein? Tiens, 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 les pyjaminus. Vous tombez vraiment en pique. Pourquoi à pique? On peut savoir. Pour admirer mes ninjas zouaves en plein entraînement. C'est juste une petite mise en jambe avant d'engluer toute la ville. Avec tes étoiles collantes? Mais pourquoi faire? Pour tester ma nouvelle recette gluante. Montrez-leur, ninjas zouaves. Voici mes étoiles collantes, toute nouvelle formule. Dès qu'elles touchent leur cible, elles gonflent comme des ballons. J'ai déjà englué cette voiture et le magasin de jouets. Mouahaha. Maintenant, c'est votre école adorée que je vais viser. Notre école? Mais on ne pourra plus aller en cours si elle est collée partout. Défi relevé, Ninja Zozo contre super-héros. Tu fais pas le point, Ninjaka. Bibou, c'est la reine du ballon rond. Bibou, te fais pas coller les pieds. Aile de la nuit. Tu ne joueras pas longtemps à la baballe, crâne de piaf, parce que je vais te mettre sur la touche. Oh, notre championne est hors-jeu. L'école est finie. Cible suivante.
le salon de thé. Adieu, vos petits goûters. Je ne peux ni l'enlever, ni la casser, même avec mes méga muscles. T'inquiète pas, c'est juste une balle collante. C'est pas ça qui m'empêchera de jouer. T'es sûre de toi, là? Mais oui, pas de soucis. Tu ne crois pas qu'elle aurait besoin de nous? Yo-Yo, rapido! Yo-Yo intercepte le ballon, fait la passe à Bibou, qui surgit de la gauche pour contrôler des deux pieds et se retrouve collée à une poubelle. Mais c'est une championne! Elle peut se sortir de toutes les situations. Enfin, presque toutes. Ninja Zouave! Attaque aérienne! Mais à quoi il joue, là? Je rêve où ils viennent de se dédoubler. Et un goûter, un équilibré mais avec de la glu. Mouahaha. Oh non, c'est un vrai pot de colle ce ninjaka. Prochaine cible, direction le gymnase. Mille reptiles, on est fichu. Bibou est notre meilleure joueuse, sauf que elle n'est plus dans la course. Ils ont gagné du terrain, mais je vais me remettre sur pied. Allez, tous au gymnase. Pour le jeu de jambes, ça va être un peu compliqué. J'ai toujours mes mains. Je peux plus être attaquante, mais il me reste gardien de but. En avant pour la deuxième mi-temps. Hein? Les ninjas zouaves sont trop nombreux. Et Ninjaka mijote quelque chose. Regarde. Hein? Va voir ce qui se passe. Moi, je rejoins Bibou. Cuisse de grenouille. On dirait que tu ne peux plus te passer de moi. Désolée, mais il faut que je me sauve. Hé, hey, reviens. Wow. Il a l'œil sur tout quand il est en haut. Oh. 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 7 contre 1, c'est vraiment pas du jeu. Hein? Pas de panique, je suis là. Dommage pour vous, je ne compte pas bouger d'ici. Hein? Forcément, t'es cloué sur place. Ou plutôt, collé. Vous êtes prêts, les ninjas zouaves? Tous au gymnase pour les tirs au but. C'est de la triche. D'ici, tu vois toutes les rues de la ville. Tous les joueurs, c'est pas étonnant qu'on perde. Tu as tout compris. Bibou, sur ta gauche. Bibou. Sont les meilleurs, ils méritent tous un ballon d'or. Ce sont les plus forts. Hein? Glu-glu méga muscle. Je suis vraiment désolée. J'ai fait de mon mieux, mais voilà, ils sont trop forts. Pourtant, il faut bien les arrêter. Ils engluent tout ce qu'ils touchent. Ah, ça, j'ai remarqué, oui. On a besoin de toi, Bibou. Surtout face à Ninjaka sur son perchoir qui voit tout d'en haut. Sur son perchoir? Mais oui, bien sûr. D'accord, j'ai les pieds collés, mais mes ailes sont en état de voler. Si tu prends de la hauteur au lieu de rester au sol, tu pourras nous aider dans les airs. Parce que tu auras une vue d'ensemble. Oui, c'est ça, comme pendant le match à l'école. Tu ne t'es pas contenté de marquer. Tu nous as dirigés en nous disant quoi faire. Vous avez raison, si je ne restais pas collée au sol, je pourrais devenir votre capitaine. Ninja Zouave, paré à l'action. Mais quelle action? Le clou du spectacle, le but en or de la soirée. Attaquez votre QG. L'engluer une bonne fois pour toutes. Oh, nom d'une plume. Ils ont pris le chat bolide.
Ça a l'air d'être un vrai héros. Yo-Yo, mets-toi en mode rapido pour bloquer les autres ninjas zouaves. Toi, Glu-Glu, fonce au QG. À la poubelle, les étoiles collantes. Glu-Glu, sers-toi de ta force pour repousser les étoiles collantes. Bien reçu. Glu-Glu, méga muscle. Mais enfin, ne restez pas planté là, espèce de ninja nouille. Si vous ne pouvez pas passer par le portail, passez au-dessus du portail. Yo-Yo, vite, en défense. Hein? Glu-Glu, active ton camouflage. Vous êtes vraiment super maladroit. Laissez-moi faire. Bonjour, étoile collante. Au revoir, QG. Dévie la balle, Glu-Glu. Hein? Oh-oh. Oh. Victoire pour nous. Maintenant, vous allez désengluer la ville de toutes ces étoiles collantes. Oh. Et moi, vous m'oubliez? Vraiment bien joué, les copains. Yo-Yo, t'as été foutmidable en attaque. Et toi, foutastique en défense. Ça, c'est grâce à notre championne qui nous a donné des ailes. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas.